Bonjour à toutes et à tous, c'est Gisonic et je suis aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo sur ce Jack 2 hors la loi pour l'épisode 7 je crois. Donc dans le dernier épisode, c'était l'épisode 6 et demi. On va dire que j'ai fait un petit épisode un peu vite fait quoi, donc je l'ai un petit peu précisé dans le titre. Histoire de pouvoir faire les petites missions annexes qu'on avait vues ensemble. Donc je vous invite à aller le voir au pire si vous voulez... voir une petite vidéo de pas trop longtemps et qui est assez divertissante on va dire, parce que c'est pas vraiment l'histoire. Je vous invite à aller la voir. En attendant, on va continuer la vraie aventure, enfin la vraie, le vrai truc qu'il faut faire. En attendant, donc je vous propose d'aller vers l'espèce de tête rouge qu'il y a sur la carte. Donc franchement, ça je me souviens vraiment plus ce que c'est. En essayant d'éviter un petit peu les véhicules... des gardes. Oula, j'ai eu de la chance. Bon, vous savez quoi, voilà, j'en étais certain, j'allais me faire exploser. De toute façon, c'est toujours comme ça, Jack. Bon, au pire, vous savez quoi, on va y aller au jetboard. J'avais carrément oublié le jetboard. Allez, mince, on va pas dans la bonne direction. C'est sûr que si on va pas dans la bonne direction, ça va mal aller. Hop, pas de problème. Bon, on va essayer de descendre si on y arrive. Des fois, il faut avouer que ça, c'est dur. Bon, ok, on a déclenché l'alarme. Bon, de toute façon, on arrive tout près. Voilà. Ça concerne que les grenagardes. Un camion citerne d'Écho de Vigne revient d'éperpeler, mais la fin du message m'a semblé louche. Et puis le chauffeur avait peur. Mieux vaut vérifier ça, on ne sait jamais. On peut être utile. Je m'en charge. Les métalliques s'attaquent! Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Aidez-moi à buter tous ces métallettes. Génial, faut buter des métallettes. Bon bah, c'est parti, hein. Nous on est fait pour ça. Vous savez quoi? Regardez ça. Oh putain. En plus j'ai presque pas de vie. Bon, j'espère que j'ai pas trop galéré. Hein. Oh non, il y a ceux que je déteste. Il y a les métalliques que je déteste. Pourquoi moi? Oh putain, ils sont 50 000 dans le sifo là. Enfin dans le sifo. Dans le... Je sais même pas comment on appelle ça. Vas-y. Ah bon sang, en plus j'ai presque plus de vie. Ah ça va être chaud là. Ah je peux vous dire. Ah ouais, carrément, en fait il me tombe dessus. Donc truc de dingue. Normal. Tout à fait normal. Ok, vous savez quoi, on se retape la même vidéo, on va pas se la retaper deuxième fois. J'ai passé. Hop. Ok. Ah bon, en plus on récupère à nouveau les gemmes. Bon ça me plaît bien. Ils sont où? Là. Vous savez quoi, on n'a pas que l'arme jaune aussi, hein, faut pas oublier. Non, si je voulais prendre l'arme bleue, voilà. Ok, j'ai utilisé un mauvais escient en plus. Ouais, j'ai essayé de pas me faire buter quoi. Ils sont beaucoup, hein, faut ouvrir. Bon, j'ai plus d'armes bleues. Bon, ça va. On les a tous eus. Les Metal Heads prennent de plus en plus de risques. On dirait presque qu'ils nous attaquent que pour tester nos défenses. Tout ça sent très mauvais. Ouais, y a pas de quoi. Très, très, très gentil de sa part. Bon, maintenant qu'on a fait ça. Ouais, bon, on va essayer d'aller voir une autre mission. Ouais, bon, je suis mort un petit peu lamentablement au début. Donc, je vous propose de prendre les trucs noirs, quoi. Je sais même pas comment on peut appeler ça, les petites boules noires. Je les avais jamais nommées, ces petits trucs noirs, là. C'est bizarre. Moi qui nomme d'habitude toujours tout. Bon, alors, c'est parti. Je vous propose d'aller voir Thorn. De toute façon, moi, je trouve que Thorn, c'est plus mission histoire que crew, ou c'est plus mission annexe. Bon, excusez-moi de... vous embêtez avec ces missions annexes là, mais c'est d'après moi. Bon, si j'arrive, bon, vous savez quoi, jetboard, je vais pas me faire chier. Parce que maintenant qu'on a le jetboard, faut que j'y pense à l'utiliser. Bon, hop, on va bien aller, voilà, sur la droite. Oula, mince, ouf, j'ai eu de la chance. N'importe quoi, de la chaud. Allez, hop, nickel, vas-y, tout droit. S'il veut, hein. Ok, recherche des suspects, c'est très très intéressant tout ça. Voilà. Je voulais aussi vous parler de ma chaîne. Bon, vous avez remarqué que j'ai sorti une vidéo zombie, donc j'espère qu'elle vous plaira. J'ai reçu pas mal de commentaires écrits me disant qu'apparemment ça leur a fait plaisir aux gens. Ok, pourquoi je suis alarmé? Enfin, alarmé. Pourquoi il y a l'alarme qui me suit? J'ai rien fait du tout.
étrange. Je disais, je sais même plus ce que je disais en plus. Oui, qu'en ce moment, on va dire en gros. Attendez. Les gars, conduisez l'enfant auprès de Cor à la centrale. Il a promis de s'occuper du gamin. Et là, j'ai d'autres chats à fouetter, vous voyez. Oh, et n'oubliez pas son propre chien. Oh, 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 il est mignon. D'où il vient, ce gamin? Je l'ai trouvé dans la rue. Mais l'amulette qu'il porte au cou signifie qu'il est sans doute l'héritier perdu de la ville. Conduisez l'enfant et son clébard à la centrale. Attention aux patrouilles et protégez le petit envers et contre tout. Oh, et si vous pouviez perdre le crocodile. Ah, elle est pas gentille. Hey, gamin, ah, il part sans moi. Bon, j'ai pas le temps de vous raconter la fin de mon histoire. Voilà, ok, d'accord, ça commence mal. Bon, je m'attendais pas vraiment à ça, on va dire. Bon, je voulais dire. Putain, je sais même plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, je vous en reparlerai tout à l'heure, au pire. Vous vous souvenez, j'en suis certain, mais moi j'en souviens plus. Toujours d'un des trous de malade, ça m'énerve. En plus, j'ai presque pas de vie là. Qu'est-ce qu'il fout le chien là? Enfin, le chien. Le mec. Alors, je crois bien qu'il va pas me plaire cette mission. De toute façon, elle me plaise, jamais. Voilà, ce que je voulais dire en fait, surtout, c'est. Vous vous souvenez. Est-ce que vous connaissez Diablo X9? Bon, je pense que beaucoup de gens connaissent. En fait, pendant un moment, il a fait du Zelda. Donc, il en fait à nouveau. Mais ça a changé. Maintenant, il en fait plus. Et enfin, si, il en fait à nouveau, mais il faisait du Wind Waker en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faisait du Wind Waker et ça a changé. Il a essayé de faire sur Jack et Dexter. Et en fait, ce que ça a donné, c'est que en fait, bah, ça l'a saoulé carrément. C'est qu'au bout d'un moment, si vous préférez, il essayait de vous faire des vidéos, mais en fait, le truc c'est que lui. C'est comme moi en fait, exactement comme moi, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais quand on fait des vidéos de Jack et Dexter, quand on est dedans, là par exemple, là je suis content de jouer, vous voyez. Mais le truc c'est pour se lancer dedans, c'est un truc de fou, on n'arrive pas, on n'a pas envie de se lancer dedans. En fait le truc c'est que voilà, on n'a pas envie de jouer, quand on joue c'est un plaisir, mais quand on y joue pas, quand on doit se lancer dedans, bah on n'a pas envie d'y jouer. C'est un jeu où faut pas jouer partie par partie, pardon. C'est un jeu où en fait bah faut jouer tout d'un coup, sinon bah ça fait chier. Voilà, tout simplement. C'est vraiment le genre de truc bizarre, des jeux bizarres comme ça. Après il y a des jeux comme Ratchet & Clank où là comme c'est par planète, ça nous donne envie de jouer, on a envie de découvrir la planète d'ensuite. Enfin, je suis pas vraiment sûr que ça se dise, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il fout? Allez, grouille-toi. Putain, il est long en plus le gars là. Allez. Où il se grouille là? Putain, il est long en plus. Voilà. On est presque arrivé. Ouais. Ouais, d'accord. Putain. Garde, mais. Excusez-moi de l'insulte que j'ai pas dit. Bon, c'est bon là? Oh mon dieu, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il est lent. Samos nous a dit de vous amener l'enfant. Merci. Je vais veiller sur lui, soyez-en certains. Qu'il est mignon. Intéressant. Jusqu'à présent, le garçon était le seul à qui cette bestiole montrait de l'affection. Je sais y faire avec les animaux. J'espère qu'on a assez d'écho pour garder les métalettes à distance. Lors de mes voyages au cœur des terres pelées, j'en ai vu de gigantesques, des créatures impressionnantes. On en a vu un énorme sortir d'une faille un jour. Il était horrible. J'ai des informations importantes pour vous. Le baron dirige des fouilles sur le site archéologique. Il est toujours à la recherche de ce ridicule tombeau. Franchement, je doute qu'il existe. Mais vous pourriez aller y mettre la pagaille au cas où. Renverser tous les échafaudages du site, ça devrait retarder les opérations. Voici un passe aérotrain pour vous y rendre. Un truc aérotrain, c'est très très impressionnant. Bon,
C'est sûr que ça va nous être vraiment très utile. Hop les. Ok, direct à l'alarme. De toute façon, nous on chope tout le temps l'alarme. Je sais même pas pourquoi. Je crois qu'en fait j'ai bousculé un Jean. Mais j'en suis pas sûr. Je crois qu'elle s'active tout le temps maintenant l'alarme. Hein. Tout le temps. Bon, je pense que ça me cassait les bonbons. Hop les. Pas de problème. Nickel pour l'instant. On s'en sort plutôt bien. Hop les. Oula. C'est violent, faut avouer. Pour ma chaîne, j'avais. Je vous parle beaucoup de ma chaîne et de moi. Hein. Un jour, j'essaierai de parler de vous. Ça pourrait être pas mal. Si j'arrive à passer. Pour ma chaîne, j'ai l'intention de faire plus de Call of Duty qu'avant. Donc les gens. Vous avez sûrement. Pardon. Sûrement. Oula. Des fois, j'ai des problèmes à m'exprimer. C'est un truc de dingue. Je dois avoir un problème. Je vais faire plus de Call of Duty. Parce que vu que j'ai un bon casque. Hey, pourquoi j'ai pas pu rentrer dedans? Vu que j'ai un bon casque, je fais plus de Call of Duty qu'avant. Parce qu'avant, je faisais un petit peu de Call of Duty par-ci par-là et tout. Même maintenant que j'ai un bon casque et tout, je préfère en profiter sur des jeux tels que Call of Duty, qui est vraiment un jeu impressionnant, faut avouer. Bon, je ferai sur Modern Warfare 3 le jeu actuel. Bon, faut avouer, enfin, personnellement, je vais pas lancer un débat là-dessus alors qu'on fait du Ratchet & Clank, mais. De Ratchet & Clank, qu'est-ce que je raconte? En plus, dis n'importe quoi, du Jack et Dexter, j'ai capté juste après, excusez-moi. Pendant qu'on fait du Jack et Dexter, mais Modern Warfare 3, faut avouer que ils l'ont bâclé, franchement, je trouve qu'ils l'ont vachement bâclé quand même pour ce que c'est. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux et. Enfin, je vais pas lancer le débat là-dessus, je préfère me taire pour l'instant. Bon, ok, on a le droit à un transport gratuit, sympa à eux. C'est sûrement ce que l'enfant nous a apporté tout à l'heure. Et que nous avons pris main dans la main. Ah, je crois qu'il va me plaire cet endroit. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition de qu'il va me plaire. Je suis même pas sûr que ça se dise. Hé, hey, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il est bizarre ce mur. Bon, on va essayer de descendre. Bon, ça, on a plus de vie. On a plus de munitions. Bon, je pense qu'on va vite recommencer. Hein. Après, tout dépend du niveau. Hein. Par contre, s'il y a un gros boss de la mort qui tue, comme le baron qu'on avait fait dans l'épisode précédent, ou d'avant, je sais plus. Là, je pense qu'on est dans la merde. Ok, déjà, il y a des gardes. Donc ça va pas me plaire. Des gardes. Ok, en fait, on va affronter surtout des gardes, j'imagine. Ok, c'est sûr qu'avec la moitié de ma vie, je vais aller très loin. Bon, on a eu le droit à quelques munitions, donc c'est déjà pas mal, ils sont sympas. Voilà, c'est bon. Je les ai explosés. Ouais. Ah ouais, d'accord. Je vois pas trop ce qu'il faut faire. Ah mon dieu. On doit virer tous les câbles de fixation. Ah ok, d'accord. Ah ouais. Ok, je sais pas comment je suis mort. J'ai l'impression qu'il me balançait des trucs. Je sais pas trop ce qu'il me balance. Voilà, vous voyez. Il me balance des trucs quasi invisibles. Donc je pense qu'il faut que j'esquive ces bidules là. Qu'il y a des gardes en bas. Ça parce que... Attends, y a pas n'importe qui me tire dessus après. Voilà. Oh mais. Oh mon dieu. Ouais. Ça je pense que c'est normal. Ok, j'ai failli. Ok, j'ai dit que j'allais failli me lancer dans la lave. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancé dans la lave. Bon, déjà troisième fois que je recommence, je vais essayer de faire attention à ce que je fais. Donc apparemment faut que je détruise des câbles. Bon, on s'en fout des gardes. Hein. Oh mon dieu, mais je sais pas me repérer. Je suis un pas doué de ce jeu et j'y joue. Bon, faut que je trouve comment me repérer. Hop. Ça c'est quoi? Ah ok, d'accord. J'ai déjà trouvé ça. Merde. Ah putain, j'ai fait le con. Hop les. Bon, un peu de vie s'il vous plaît. Voilà, ça c'est gentil de leur part. Je sais pas vraiment ce qu'il faut que je détruise. Ah, je pense que voilà. Je pense que c'est ça là. Attends, vous allez voir. Ok. Ok, je pense qu'il faut, voilà, y aller au jetboard. Voilà. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon, voilà, on a trouvé ce qu'il faut faire. Donc, c'est déjà pas mal. Bon, hop hop. Nickel. En espérant qu'on recommence pas au début à chaque fois. Oula, j'ai eu chaud là, fois ouais. En espérant que je recommence pas au début du compte à chaque fois. Bon, on va voir ça tout de suite. Génial. Oh putain. On redémarre au début. Bon,
savez quoi, j'en ai rien à faire, des gardes. Le but là, ça va être d'y aller le plus vite possible. Oh mon dieu. Bon, de toute façon, c'est ça, hein, souvent... Punaise. Hey, qu'est-ce qu'il faisait? Bizarre. Des fois, il y a des bugs comme ça. Oh mon dieu. Ah, je galère. Franchement, j'avoue, là, je galère. Ah, je crois que ça va être un niveau difficile. Franchement, je crois que ça va être un niveau difficile. Je suis censé aller où avec ça? Je vois pas trop l'intérêt. Non, non, non. Ah, bon sang, bonsoir. Bon, déjà plusieurs minutes qu'on essaye de faire ce niveau. Non, on va le faire, mais doucement. Parce que là, je suis trop pressé. Ah, j'ai fait la même bêtise que tout à l'heure. Ah, mon dieu, je suis bête, bête, bête. Bon, je vous propose de tout éliminer les gardes. De tout éliminer. D'éliminer tous les gardes. Et ensuite, on va se faire tous les machins cassés, là. Parce que depuis tout à l'heure, les gardes, ils nous font chier. C'est un truc de dingue. Ils sont où, les gardes? Ils sont où? Attends, non, mais oui. Là, il me saoule. Ok, je reçois des machins. Ils viennent pas de nulle part, les machins. Là-haut. Là, derrière aussi. Ok, on en reçoit de tous les côtés. Là, qu'est-ce que tu fais là, toi? Non? Oui, non? Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'ils foutent. Eh, hey, mais d'où ça vient, quoi? Ok, ça vient de là. Je pense que c'est deux bouffons, là-bas, qui me font chier depuis tout à l'heure. Voilà. Bon, il y a qui encore qui me tire dessus, là? Ok, deux là-bas. Ok, il y a des mecs là-bas. Bon, je vais essayer d'un petit peu pas me prendre leur machin. Si j'arrive à les tuer au bout d'un moment. Qu'est-ce que ça fait, ça? Putain, ça va me péter à la figure. Oh là. On a le droit à un petit problème de caméra. Bon, au pire, tant qu'on meurt pas. Ok, il y a des mecs, là. Ok, j'ai eu le droit à une perte de beaucoup de munitions. Ils sont où? Où ils sont? Là-bas. Oula. Faites de l'esquive en même temps. C'est bon. Là-bas, il n'y a plus de mecs. Si, il y a encore un mec. Il y a encore un mec. Voilà. Bon, je vais essayer de l'avoir, celui-là, là-bas, au fond. Sans là, je pense que c'est plus vraiment de la visée. Là, c'est surtout de la chance. C'est bon? Bon, il semble mort. Celui-là, en tout cas. Bon sang. Ah, ils sont horribles. Putain, en plus j'ai plus de munitions. Attends, c'est sûr, vu tout ce que je gaspille. Je vais pas avoir des munitions toute ma vie. Hein. Ah ouais? Bon bah c'est bon. C'est bon, attends, y'a plus personne qui me lance des trucs, c'est bon. Ah maintenant, Systonic, s'il te plaît. Oh, bon sang. Ne meurs pas bêtement. Voilà, c'est ce que j'ai failli faire. Bon, ne meurs pas bêtement, s'il te plaît, Systonic. Pas maintenant. C'est parti. Allez hop. On va faire tous un par un, doucement. Voilà, là faut que j'utilise le jetboard. Donc je vais utiliser le jetboard. Bon, apparemment il reste encore des gardes. C'est pas grave. Je pense que j'ai tué le principal. Pour l'instant. Si je retrouve des gardes en fait, surtout. Ok, on a le droit à quelques munitions. Je vais pouvoir me débarrasser. Putain, attention, attention. Attention, attention. Ils me font peur ces tonneaux, c'est un truc de fou. Punaise. Vous savez quoi, on va aller là-dessus. Faut avouer que c'est assez chaud quand même. Hein. Ils nous font des trucs assez salauds quand même. Hein. Non, attention, non, 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 je t'en supplie. Oh, oh oui, oh merci, oh merci Dieu. Alors là, merci Dieu. Bon, je suis pas très croyant, faut avouer. Mais bon, merci, merci. Alors là, je lui dois un truc. Une cérémonie à la messe. Allez, hop, voilà, donc, hop, vas-y, nickel, t'es un pro, oh, pas de problème, oh, fais pas le couillon maintenant, s'il te plaît, tonique, pas maintenant, ils sont où les, j'ai envie de les insulter, ils sont où, moi je les vois pas, punaise, j'ai failli tomber à côté, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais pas le con, fais pas le con, moi, j'ai failli dire voilà, mais en fait j'étais pas arrivé jusqu'en haut. Là. Ils sont où? Ils sont où les champs qui me font chier? Okay, vous savez quoi? Là, chaud. Ok, vous savez quoi? Je préfère pas prendre de risque, y aller doucement. Au pire, prendre du temps, mais y arriver. Je vais l'en... Ah! Oh,
Alors là, je m'énerve. Franchement, désolé de vous le dire, mais là, je m'énerve. Grave. Il est où le... Ah, mais j'ai envie de l'insulter bien fort, les amis. Mais vraiment très fort. Mais bon, comme vous êtes là, je n'en ferai rien. Vas-y. C'est bon ? Y a plus de mecs pour me faire chier ? Punaise. Punaise. Ils me font flipper, ces trucs. J'ai pas... En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de recommencer, quoi. Là, je me suis fait chier et tout pour... Voilà. Hop, les. J'en ai loupé un. S'il te plaît. Oui. Oh, ce que je veux, en fait, c'est pas tomber dans la lave, quoi. Parce que si je tombe dans la lave, là, j'ai la mort. Ok, faut que j'y arrive à, d'une façon ou d'une autre à remonter là-haut. Ok, ça sera pas de cette façon-là. Allez, vas-y. Mon petit gros. Voilà. Vas-y, fais pas ton ham-ham. S'il te plaît. Donc, tu étais en train de faire le truc qui fait chier tout le monde. Bon sang, ce truc qui veut pas se casser. Voilà, gentil. Bon, plus que 9. 1, 2, 3. N'abuse pas, mon chinois. 6. Et le dernier. Et tac! Youpi! Que je suis content! Je suis content, j'y suis arrivé. Je suis si fier de vous, Jack, et de vous aussi, Daxter. Vous avez sérieusement porté atteinte au baron. Nous pouvons gagner cette guerre. Mais si tu le dis, mon gros, hein, si tu le dis. Bon, on peut gagner la guerre. Donc, bah, va falloir qu'on aille gagner cette guerre. Bon, faut qu'on sorte de là. Déjà, ça c'est sûr, on sort d'ici. Un petit suicide en direct, ça vous dit? Oh, de la lave, sautons dans la lave. Oui, je suis content. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, ça c'est gentil, ça c'est bien. Là, je suis content. Content. Alors, hop, vas-y, on monte. Sans se faire mal, ni tomber. Sans se prendre les murs aussi, ça pourrait être bien. Ok, je préfère me taire. Vas-y, là, normalement, ça grimpe, ça. Voilà, c'est ça, ça grimpe. Et on attend. Malheureusement. Vas-y, nickel. Ah, c'est juste que c'est pas le même angle de vue. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a par là? Bon, je préfère pas m'aventurer. On verra ça plus tard. Oui, de toute façon, on a le droit toujours à la même cinématique. Juste qu'on démarre pas du même endroit. Hop, il s'installe sur le siège. Trop fort. De toute façon, je pense qu'on va le faire ça des millions de fois. Et voilà. Quelques petits bugs dans la cinématique, c'est pas très grave. Qui c'était pas très conséquent. Et on arrive tranquillou. Bah, ça va, tranquille. Hein. Et voilà. Bon, je vous invite à aller voir la centrale. Bon, on fera plus tard, crew. Hein. On n'a pas que ça à faire non plus. Allez voir un obèse. Hop là. Si je le trouve, l'obèse. Enfin, si je trouve. Je suis d'une... Non! Oh là là, j'en ai marre. Je me prends tout le temps des gardes. Je suis un padoué. Bon sang de bon. Soir. Je maintiens mes mots, pardon. Mes mots. Mes mots pour ne pas vous dire des grossièretés. J'adore comment j'ai dit la phrase. Renfort demandé. Oula, non. Oh, j'ai eu chaud. Vas-y, je suis plus très loin de la centrale. S'il te plaît, ne fais pas ton bip. Hop, esquive. Sur la droite. Et nickel. Pas de problème. Jack, on a encore des problèmes à la carrière. Je crois que le baron essaie de me piéger. D'ailleurs, non, je crois que tout le monde essaie de me tuer. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ces puits d'écho que le baron nous a fait creuser. Ah, apparemment, il n'a jamais eu l'intention de les relier au réseau de la ville. C'est complètement absurde. Vous savez, si
Les puits d'écho restent ouverts, ça va attirer encore plus de métalettes. Vous devez les fermer. Ces bombes plasmites devraient faire l'affaire. Ouf. Lancez-en une dans chaque puits et l'explosion fera le reste. Eh, attention avec ça. Du plasmite, hein? Cool. Ça marche comment? Ah! Je crois que c'est à vous, ça! Sans façon, donnez, reprenez, volez. Non, vraiment, j'insiste. Non. C'est toi, le héros. Non, c'est Jack, le vrai héros. Oups. Désolé. Peace, mon frère. Bravo! Vous les avez toutes armées. Ne bougez surtout pas. Non, tout bien réfléchi. Bougez! Oui, courez! Passez le portail et lancez une bombe dans chaque puits d'écho avant qu'elle n'explose toute! Vous n'avez que 2 minutes! Ok, chronométré, j'en suis sûr! Je vous parie que je suis chronométré. J'en suis certain. Voilà, j'avais dit quoi? Bon, allez, c'est parti. J'ai 6 machins à faire. Oh là là, il est solo quand même. Bon, Daxter. C'est pas que tu nous ennuies là, mais tu nous fais chier. Non, mais désolé de dire comme ça, mais. Voilà quoi, Daxter il abuse. Oh bah, une petite orbe. De toute façon, je pense qu'on va vite recommencer. Hein. Bon, si vous permettez, je fais une petite. Un petit truc pour voir où c'est. Donc il y en a un là. Un là. Attendez, je vais juste essayer d'en faire un. Ok, d'accord, c'est tout simple. Là. Comment on va sur celui-là? Ok, je pense qu'il faut monter là. Voilà, comme ça, je pense. Et le... Putain, il en reste combien? Ok, je pense qu'il y en a un là. Ok, génial, il y en a un super bien là. Ouais, je pense que je vais recommencer plutôt pas mal de fois. Putain. Oula, j'ai eu chaud. Excusez-moi du... Voilà. Il me reste quoi? J'en ai vu 5. Il m'en manque un. Je me souviens. Je sais où est le dernier. Moi, je pense savoir où est le dernier. Il est là, vous allez voir. Voilà, je pense savoir qu'il est là, exactement là où je pensais. Je m'en souviens. Bon, il attend quoi là? Bon, voilà. Bon, je vous propose de s'activer, enfin, pas de s'activer, mais de commencer au prochain. Bon. Nickel, j'ai trouvé. Il y avait quoi là-dedans, en fait? Je suis jamais allé voir. Ah, le truc, c'est qu'on peut pas voir. Bon, ok, il est censé y avoir quelque chose. Là, on est censé partir. Ok. Bon, pas de problème. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Hop les. Alors, nickel. On va y aller tout de suite. Allez, vas-y. Nickel. Quelito. Bon, je propose d'aller directement vers celui là-bas. Ce qui me semble un peu plus éloigné. Enfin, un petit peu plus éloigné. Ouais, on va dire ça comme ça. Et bam, nickel pour moi. Vas-y. Mon sang. J'ai pas pu. Ok, il y a des moyens de pas y arriver. Ah, il veut pas. Ah, le bip. Allez, tu vas y arriver. Ah, bon sang, je pense que je suis prêt pour commencer là. Ah, il va me saouler. Il va me saouler. Ok, c'est bon, c'est fichu. C'est fichu. Cherche pas. Recommencer la mission. De toute façon, je savais que c'était fichu. Hein. J'ai mis 30 ans pour faire le machin là. J'avais aucune chance. Allez, c'est parti. Hop les. Faut bien le prendre, il faut aller assez vite à la fois et à la fois aller assez doucement. Allez, hop les. Voilà, vous voyez là, je suis allé assez vite parce que j'ai pris un peu d'élan. C'est parti. Alors, on va essayer de pas se glander maintenant, quoi. Juste avant d'arriver au machin. Oh, nickel. Nickelito. Putain, celui-là qui m'a fait chier tout à l'heure. Voilà, celui-là du premier coup, vous voyez, ça va déjà plus vite. Vas-y, encore 3. Voilà, nickel. Plus que 2. Bon, je sais où sont les deux autres.
putain, si j'arrive à monter. Oh putain, je vais pas y arriver. Si, si, allez. J'ai encore. De toute façon, on a toujours une chance. Vas-y. Voilà. Nickel. Putain, faut pas se glander maintenant, quoi. Allez, vas-y. Ah, parfait. Et voilà. Nickel. Plus qu'un. Hop, les. Je vais essayer de pas me glander maintenant. Ok, je sais pas quoi ce qu'il faut faire, là. Hop, les. Nickel. Bon, plus que 20 secondes. Putain, je vais pas avoir le temps. Putain, je suis parti dans la mauvaise direction. Allez, allez, allez. Bon, hop, plus qu'un. Plus que 13 secondes. Ah non! Ah non, t'as pas le droit! Ah punaise! Oh les gars, avouez, c'est de l'abus. Ah, j'étais concentré sur la fin et tout. Ah bon sang de bonsoir. Allez. Ah, j'ai les morts. Ah non, merde. Ah bon sang. Ah, c'est pas possible ça. Allez, vas-y. Ah! Ah putain, en fait, faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps. Je m'énerve un petit peu. Mais faut pas perdre de temps. Sinon, c'est fichu. Vas-y, tu vas y arriver, Zistonic. Allez, Antonin. Hop, les. Vas-y, tu montes là-haut. Toc. Allez, un peu d'élan. Nickel. Celui-là, il est bon. Allez, essaye de prendre un petit peu d'allure pour prendre un peu plus de vitesse. Sinon, je pense qu'à la fin, ça se joue à très peu. Voilà, nickel. Direct, celui-là. Vas-y. Oh, s'il est pas beau celui-là. Nickel. Vas-y, celui-là. Voilà. Nickel, plus que deux. J'essaie de me grouiller pour celui-là. Pas comme tout à l'heure, je vais pas faire la même connerie. Vas-y. Voilà. Cette fois, j'y suis arrivé. Voilà. Pas de temps d'attente. Oh, j'ai eu chaud. Oh, merci. Alors là, nickel. Bon, une minute, j'ai fait je sais pas combien. Ah, punaise. Fais pas ton salaud, s'il te plaît. Allez, allez, s'il te plaît. Abuse pas. Punaise, déjà 20 secondes pour celui-là. Voilà. Allez, 35 secondes. Je vais y arriver. Allez, je sais que je peux y arriver. Vas-y, Tonic. Voilà, je peux y arriver là. Là, je peux y arriver. Franchement, je sais que je peux y arriver. Bien que j'ai un petit peu galéré à un endroit. Allez, je préfère attendre le prochain. Je savais que j'avais une chance, mais je préfère attendre le prochain. Allez, vite. Vite, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, 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 allez. Oh non, punaise. Tiens, en plus, il met 30 ans le machin. Ah bon sang. Ah c'est parce que j'allais galérer au machin, je le savais. Bon je tombe de toute façon, moi, là je suis tombé sur des missions assez difficiles. Allez. Faut y arriver Tonic, faut y arriver. Vas-y. Puis. Là. Je t'en supplie, allez. Là, direct sur la droite. Là. Parfait. Plus que 3. Putain, le con. Il me fait... ils me font chier, putain, si vous saviez... Ah mais c'est un truc de dingue comment il m'énerve. C'est tout chronométré et tout. Allez. Punaise, j'aurai jamais le temps, j'aurai jamais le temps. Soyons pas défaitistes, faut tenter la chance. Putain, faut juste que le truc de tout à l'heure. De toute façon, vous voyez, à chaque fois j'arrive pas à le prendre. Surtout à des moments que normalement t'es censé le prendre quoi. Voilà, allez vas-y.
Mais il était pas haut là. Là, il était pas haut. Ah putain de mes. Ah, ça m'énerve. J'aurais jamais le temps là. Punaise. J'arrive pas à le croire, ça m'énerve. Ils ont pas le droit de te faire ça. Punaise. Qu'est-ce qu'ils sont énervants, franchement. Ah, j'en ai ma clique et ma claque de ces trucs qui veulent pas sauter assez haut. En plus, c'est pas moi qui suis hors time. C'est regardez ça. Non. Putain de mes. Et voilà. Déjà, je sais que c'est perdu. Vous voyez, j'ai du mal à le manœuvrer pour aller droit. Bizarre. Si j'arrive à prendre le bon truc. Ah, je galère vachement là, franchement, je galère, truc de dingue. C'est vraiment des missions qui me font rager, ça me fait rager carrément. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Le chien, vous vous souvenez de l'enfant? Je m'attendais vraiment à pire, mais là, celui-là, il me l'est. Allez, vas-y. Là, plus vite, s'il te plaît. Allez, ah non, mais là t'abuses, je t'abuse. Punaise, allez, s'il te plaît. Putain, ça m'éjecte à 3 km. C'est mort. Non, mais là c'est mort. Cherchez pas. Oh bon sang. J'en ai marre, ça m'énerve. Franchement, je suis énervé. Franchement, c'est rare que je sois énervé contre un jeu là, surtout contre Jack. Mais là c'est de l'abus. Ah mon dieu, c'est vraiment de l'abus ça. En même temps, Ratchet. Dexter là qui active les machins, c'est pas doué. Allez, mais qu'est-ce que t'as? C'est pas assez haut pour toi. Hop, plus vite. Voilà, tu tournes à droite maintenant. Voilà. Ah non, tu ne vas tout droit. Voilà, maintenant tu nous vas bien à gauche. En espérant de pas abuser sur celui-là qui nous fait d'habitude bien. Excusez-moi le terme, mais chier. Tout simplement, bien chier. Vas-y. Plus qu'une minute et on est cuit. Et bah vous savez quoi. Mon dieu. L'arnaque du quark. Je pleure carrément. Non, c'est pas vrai, je pleure pas, mais... Pourquoi tu prends pas de l'élan? Punaise. Dans 30 secondes, ça fera boum. En plus, il te le rappelle bien, histoire de dire ouais, tu vas perdre et tout. Ah, je vais m'énerver. J'en suis certain, je vais m'énerver. Putain, il sait pas faire un virage correct, Jack, là. C'est foutu. Ah là là, en plus le truc il met 30 ans. Je sais les amis, hein, ça fait presque 20 minutes que je suis sur ce machin. Vous aussi vous en avez marre. Enfin, je sais pas si vous en avez marre, mais moi, j'en peux plus. Putain de mes. Vous savez quoi, je préfère me suicider. C'est plus rapide. J'en ai marre maintenant. C'est en stressant, en recommençant 20 fois que je m'énerve et que j'arrive pas. Là. Gentil petit machin. Vas-y, tu vas y arriver, Tonic. Là. Gentil, vas-y, tu vas y arriver. Ah non, tu vas passer ça tranquillement. Bien haut. Voilà. Gentil. Voilà.
Vas-y. Vas-y, s'il te plaît, t'as 10 secondes. Voilà, t'abuses pas, s'il te plaît. Putain, j'ai cru que j'allais tomber. J'ai vraiment eu peur. Voilà, s'il te plaît, maintenant. Je suis concentré. Excusez-moi, je parle pas beaucoup, mais là, je suis vraiment concentré, j'en ai marre. Merci de nous le rappeler. Allez, plus vite, s'il te plaît. Mais putain, cette carlingue, elle met 30 secondes. Oui. Ah. Ah, je suis content. Si vous saviez. Alors là, je suis content. Ah, si c'est pas beau. Dieu soit loué, vous avez fait sauter ces puits. De quoi tenir les Metalheads à distance pour de bon. Bon travail, les gars. Je vous revaudrai ça. Alors là, franchement, je suis content. Franchement, je suis vraiment très très content. De moi. Ah, enfin, j'ai fait exploser ces puits de Mayhem. Ah, franchement, j'ai galéré. Je crois même que je me suis jamais autant énervé de toute ma vie. Enfin, de toute ma vie. Sur un jeu vidéo. Enfin, petit... Peut-être... Non. Moi, je suis même pas sûr que ce soit comparable. Je parle de la fois où, quand j'étais petit, j'avais galéré sur un jeu. Et j'avais vraiment ragé, mais comme un dingue. Mes parents, ils disaient, mais c'est un truc de fou, comment ça fait rager le jeu? Bah oui, mais ils ont essayé, eux aussi, ils ont ragé. Ils ont fait, mais c'est pas possible, arrête ce jeu, c'est impossible et tout. Et finalement, bah, j'y suis arrivé après des heures et des heures. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, attendez, on va juste prendre le transpo, histoire de voir ce qu'ils nous racontent. Au pire, c'est notre mission. On verra bien. C'est dingue ça! Vin a peur des Metalheads! Il y a de quoi? J'ai vu de mes propres yeux de quoi ils sont capables quand ils envahissent une ville. Ils détruisent, tuent et dévorent. Les machinations du baron mèneront cette ville à sa perte, comme toutes les autres avant elle. Il faut renverser Praxis avant qu'il ne soit trop tard. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous et votre acolyte avez fait sensation face au baron. T'entends ça, Jack? Tu es mon acolyte. vieux sage, ça vous gratouille sous l'homme? Il y a des pommettes pour ça, vous savez. Ce sont mes rhumatismes. Il paraît que le baron a envoyé un grand vaisseau citerne vers la plateforme de forage pour y charger de l'écho extrait en fraude. Allez à la plateforme de forage avec le téléporteur et détruisez ce vaisseau. Le Sphinx enverra une équipe des souterrains récupérer l'écho un peu plus tard. On compte sur vous pour faire du bon travail. Ils sont très marrants. Bon, vous savez quoi? Ça, je m'en souviens très bien. Alors ça, je m'en souviens mais vraiment très bien. C'est... Alors, vous vous souvenez quand... Quand on avait utilisé les tourelles pour détruire les œufs, donc c'était il y a pas mal d'épisodes où j'avais vraiment galéré au début, moins que là, franchement, là j'ai ragé vraiment, parce que là-bas c'était pas de l'abus, enfin si c'était de l'abus, mais c'est parce que c'était de la, voilà, c'était de la pratique. Là c'était du pur, mais quand je vous dis du pur, c'est vraiment avec un grand P, du pur abus, c'était du pur abus. Je sautais, je faisais, mais comme il faut et tout, ça voulait pas. Ça me faisait rager là tout à l'heure, c'était vraiment un truc de fou. C'est une des rares fois où je m'énerve, enfin c'est une des rares fois. C'est la première des longues fois que je vais m'énerver quand je vais faire ce Jack là. Parce que je me souviens que quand je faisais Jack, je rageais souvent parce que c'est vraiment très difficile. Surtout là, vous voyez franchement, des fois il y a des endroits, tu te dis c'est de l'abus. Ils ont abusé à certains endroits. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce qu'on va s'arrêter là. Et oui, malheureusement, je fais pas une vidéo d'une heure comme l'autre fois. Là, cette fois, elle fait 45 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire, mettez un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir.
mettez cette vidéo en favori aussi, c'est vraiment très très plaisir. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pour ma part, c'était vraiment génial. Bon, je voulais pas dire, je veux pas. Ah bon sang, je vous ai pas dit ça en début de vidéo. Je sais pas pourquoi. Je vous ai pas souhaité une bonne année. Donc en tout cas, je vous souhaite maintenant une bonne année 2012. Plein de vœux, plein de bonheur. Bon Noël. Bon, j'espère que vous avez passé un bon Noël aussi. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde.